Bonjour à tous, on se retrouve pour le 22e épisode de cette série sur Vintage Story. Le jour se lève, on a passé une bonne nuit, on a un petit peu de canneberge, on va manger. Voilà. Alors, Edgy m'a parlé de contenants pour ça, donc j'ai cherché un petit peu. Et donc, il y a la possibilité de créer. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Attendez. Oh, j'ai mon petit wiki. Le rangement vertical. Voilà, on va chercher ça. Rangement. Non, vertical, il est juste là. Et donc, il faut 4 bâtons et 3 planches. Ok. On doit pouvoir faire des planches parce qu'on doit avoir du bois quelque part. Alors, on va se mettre ici. Ah bah, très bien. Parfait. On va prendre... qu'est-ce qu'on a beaucoup? C'est du mélèze. On va prendre le mélèze. Voilà. Notre scie. Et on met la scie. Avec. Voilà, 12 planches. Bon, on va faire des planches de mélèze. On en fait combien comme ça? 36. 48, 48, 64 et 32. Parfait. Ok, on va reposer ça à sa place. Comme ça. Est-ce qu'on a des bâtons sur soi? Non, mais ils doivent bien être stockés quelque part. Est-ce que là? Oui. Voilà, donc on va faire notre petit... alors... Si je me trompe pas, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Ouais, magnifique. Voilà, on a ça. On va ranger les planches après. Mais alors ça, donc c'est un rangement vertical. On va le mettre où? Parce qu'on n'a pas beaucoup de place. On va le mettre ici. Hop, oh, c'est un peu juste. Hein. Et apparemment, on peut prendre ça. Mettre dedans. Est-ce que je vais pouvoir viser le dernier espace? Parce que là, j'ai peut-être pas mis au bon endroit. Ouais. Oh, joli ça. Tac. Pof. Incroyable, il y a juste 5. Nickel. Un petit rangement vertical. Ah, bah voilà. Une bonne chose de faite. On commence bien. Bon. Alors, du bois, il va m'en falloir. Alors, je vais stocker les planches pour l'instant. Et poser où? J'ai plus de place là-dedans, ici. Hop. Ça, c'est du mélèze. On va voir combien on peut en mettre. On va stocker ça ici. La maison, elle est vraiment petite, hein. Il va vraiment falloir l'agrandir. Mais il faut qu'on aille chercher du bois aussi. Il faut qu'on arrive à trouver des pousses de bois. Alors, on sort. On regarde ici un petit peu dans notre nos baies, comment elles sont. S'il y en a qui veulent bien mûrir, ce serait pas mal, mais c'est pas le moment encore. Il faut attendre 5 jours. Ok. Ici, 6 jours. Bien, bien, bien. Bon, là, on a du cuivre derrière. C'est cool. Et là, on a plein de lapins. Bon, on va attaquer les lapins déjà. Allez, ça va nous faire de la nourriture. Oh, il y en a plein, plein, plein. Oh bah oui, mais oui. Est-ce que j'ai de la terre sur moi? Alors déjà, on va prendre un morceau de terre pour pas qu'il s'échappe. Voilà. Déjà, hop. Comme ça. Et on va pouvoir attaquer le lapin. Voilà. On lui veut pas. Après, j'arrive pas à le choper. Et l'autre, il est où? Il est là. Voilà. On va y arriver. Voilà. Et le dernier. Il est là. Où est-ce qu'on vise?
Si j'enlève ça, j'y arriverai plus facilement, non? Il est parti. Voilà, ça va nous faire de la viande. Hop, on va désosser tout ça. Quatre lapins, c'est bien. Hein. Ok. Il est où? Voilà, ça me gênait. Hop là. Ok, les deux autres. Alors. Celui-là, est-ce que je peux le viser là? On va faire ça déjà. Voilà, très bien. Voilà qui est récupéré. Bon. Alors je suis un petit peu enrhumé. Du coup, j'ai un petit peu de mal à parler comme je veux. J'ai éternué juste avant, là, j'étais obligé de faire une petite coupure. Alors, ok. Bon, on est bien. On va mettre la viande. Déjà, on va regarder un petit peu comment ça pousse, ça. Non, on va s'occuper de la viande, d'abord. Soyons... faisons les choses en ordre. Alors. Donc, si je prends des légumes, par exemple des navets, qui sont pas là, qui sont pas là non plus... qui sont là. Alors je vais me faire un peu de place. Hein. Voilà, ça va là. Donc le cuir il est rangé, c'est parfait. La terre on va la mettre ici. Donc on a dit on va prendre des navets. On va prendre de ça. Et on va mettre dans la gamelle, on va voir si ça marche. Alors, tac, tac, tac. Elle est où ma gamelle? Elle est où? Ça, c'est des bols. J'ai pas une. Un truc mieux que ça pour faire cuire, moi? Ça, c'est quoi? C'est un bol? Ça, c'est une cruche. Bah, tu sais que j'ai mis les choses, moi. Ni là, ni là. C'est pas sur moi, non. Je sais pas où j'ai mis ça. Donc, on va s'amuser encore. Faut trouver où on a mis ce dont on a besoin. Mais là, je ne vois pas. Ah, mais c'est peut-être encore dans le garde-manger. Voilà, 6 portions dans la marmite. Est-ce que je peux prendre ça? On va mettre ça là pour l'instant. Est-ce que je peux prendre les bols et mettre les portions dans les bols? C'est ça que je voudrais voir. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc comme ça? Non. Alors on va poser, peut-être que si on pose le sol, et que je prends ça. Ouais, ça marche. Ok. Du coup, on a nos rations. 3 jours et demi. Alors, on va faire un peu de... Là non, ça ici, ça là. On n'a pas un petit vide là? Je fais de la place. Je mets tout. Hein. Enfin, on va avoir la place pour tout. C'est pas grave. Hop, donc on a
une portion 18 jours. Ça, c'est bien déjà. Tac. C'est nos oignons navets. Hein. Voilà. Et maintenant, j'ai ce qu'il faut. Alors, on va mettre les autres portions de nourriture. Bien. On sort de là. On met ça là-dessus. Non, pas là. Mais non, 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 tu fais n'importe quoi. Ah là 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 là. Je fais n'importe quoi. Un clic droit, j'arrive pas à le retirer. Ah, je suis obligé de casser. Ok, j'ai tout pris, je crois. Ok, donc j'essaye de mettre ça là. Voilà, très bien. Alors maintenant, si je mets ça... Ça, je sais pas combien il en faut. Ça. Là déjà, faut mettre du feu. Si j'en mets un deuxième. Hop. Tac, tac. Deux. Tac, tac. Non. C'était peut-être pas la bonne recette. Du bois de chauffage. On met ça là. Ok, ma torche. J'ai pas tout compris encore hein, sur la nourriture. Comment ça marche? Ok. Alors. Donc là, ça chauffe pas. Alors, si j'en mets un. C'est quoi ça? C'est de la viande rouge. Peut-être mettre deux. Non plus. Je sais pas combien faut que je mette de viande. Faut j'en mette deux comme ça. Ok, j'en sais rien. Ah, ça cuit là. Ça cuit. Apparemment. Ça monte en température en tout cas. Je vais mettre un oignon à la place, non? Si je fais ça, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je mets un oignon? Ouais. Je sais pas si ça va faire quelque chose ou pas. On va voir si ça nous fait une petite marmite. On attend patiemment. Ça a l'air de cuire déjà, donc c'est pas mal. Portion de viande rouge en ragoût avec des oignons et des navets. C'est bien, on commence à se faire des plats. Ça c'est plutôt cool. De bois de chauffage, j'en ai plus besoin. Voilà, parfait. Voilà, très bien. Hop, dans le cellier. Du coup, dans le cellier, on a ça en plus. Par contre, il dit pas combien de temps ça doit... Là, 18 jours, mais là, on voit pas. Une portion de viande rouge. Bon, on verra. Ici, je vais tout ouvrir hein, quand même. Ramasser ça. Ça et ça. Et ça, on va le laisser là aussi. Alors le cuir, par contre, on va peut-être le prendre. On va l'enlever d'ici, ça fera de la place. Et je sais plus où j'en ai mis. Ah ben voilà. Tac. Très bien. Ah ben voilà une chose qui allait bien. Ah, j'ai pas rangé toute la nourriture. Oh là 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 là. Donc. On va ranger la viande fraîche, la viande machin. Ça. Alors, ce qu'il me dit. Non, il me dit. Ah oui, parce qu'elle est toujours. C'est toujours chaud, ça. Faut que ça descende en température et ça me dira combien de temps. Bah oui. Bon, il va refroidir hein, dans le cellier. Ok. Donc, le petit cuir, c'est ici. Vous n'avez pas vu qu'il m'en restait là. Les os. Voilà.
Bien, on va certainement faire de la tannerie un peu plus tard. J'aimerais récupérer des arbres. On va s'occuper d'abord du jardin. Voilà, voir ce que ça donne. Donc ça manque un petit peu d'eau. Hop, allez. Ah, plus d'eau. Donc on y retourne. Voilà, le petit arrosage du matin fait toujours du bien. Surtout pour les plantations du jardin. C'est beau, hein, la poésie. Là, c'est notre épeautre, notre lin, on espère. Oh, les carottes sont bientôt mûres. Excellent. Ça, c'est cool. Ah, plus d'eau. Voilà, tout est à 100%, on est bien. On va reposer ça ici. Très bien. Bon petit jardin, hein, ça commence à être sympathique. Allez, on va essayer de se trouver des arbres. On va essayer de ne pas tomber dans les trous surtout. On a encore des choses, je pense, à récupérer d'où on était. Et on va voir peut-être pour faire un parc pour les animaux là. Ça serait pas mal. Du coup, j'ai besoin de bois pour faire des petites barrières. Voilà. Là, c'est des os. Les animaux meurent. Alors, j'espère que ce coup-ci, je vais récupérer des graines. Parce que bon, je n'aurais pas enlevé tous les arbres et puis ne plus rien avoir. Ah, d'ailleurs, avant d'enlever ceux-là, on va enlever plutôt ceux qui sont du côté de la plage là-bas. Oui. Je suis peut-être fait un peu mal. J'ai pas pris de nourriture avec moi. On va peut-être tester nos petits plats qu'on a fait là. Allez. On va se prendre deux portions. Hop. Tac. C'est pas celui-là. C'est celui-là. On va se prendre deux portions. Ah voilà. Et l'autre, combien? Et il est encore chaud. Bon, on sait pas. Hop. On va prendre deux portions comme ça. On va voir déjà ce que ça donne d'en manger un. Ah ouais, ça rapporte quand même pas mal de satiété. Et ok. On a des protéines, on a un peu de légumes, c'est bien. Les fruits, ça va. Il reste les céréales et les laitages. Et ça, on s'en occupera bientôt. Zut, toujours pas de bon. 27 degrés, 25, 20... J'attends, j'attends. Fermer la porte, ce sera mieux. C'est celui-là. Un jour, 18 jours, ok, et 5 jours pour l'instant. Bon, ok, d'accord. J'en ai déjà mangé une. Ça, pour l'instant, je vais la poser là. Hop, voilà. Et au moins, j'ai une petite portion de nourriture au cas où. Allez, ce coup-ci, on va aller vers par là-bas. Il y a des arbres par là-bas. On va essayer d'en récupérer un peu et quelques graines. Et si on voit de la terre après tard, voilà, on me le dira, peut-être ou pas. Donc on passe par là. Ouais, ok, c'est juste un tout petit trou. Là, on a des poules. Et là, on a quoi là? De la lignite. Ça pourrait être intéressant. Alors, il me semble qu'on a par ici des arbres en bord. Voilà, il y a quelques bouleaux. On va récupérer, on va les casser pour récupérer les graines et les replanter. Plus près de chez nous.
Alors, on va faire ça. Pas de loup dans le coin, non, c'est bon. Ok, donc, la hache. Alors, où sont les graines? Il y a un bug ou quoi là? Parce que déjà la dernière fois, on récupérait pas de graines. Alors, il y en a peut-être pas à tous les coups, mais quand même. Si on n'a pas de graines pour replanter les arbres, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il y aurait un changement de mécanique et que j'aurais pas été informé? On m'a rien dit? Continuer. Ah, en voilà une. Il y en a peut-être une qui traîne là-bas que j'ai pas vu. Pas un moment. Enlever ces petits boulots. Non plus. Ça, c'est des bouts de bois, on peut les récupérer. Alors, on va faire attention quand même parce que s'il y a des bêtes. On va battre l'arbre, mais on va faire attention. Parce qu'à mon avis, il peut y avoir des... je sais plus comment ils s'appellent, mais il peut y en avoir. Voilà. Je suis pas encore familiarisé avec les noms des monstres là-dedans. Non, apparemment, ça donne pas à tous les coups, hein. Ah, deux. Enfin. On récupère pas énormément. Bon, bah, je continue, hein, et puis on se retrouve un peu plus tard. Alors, je suis de retour à la maison. Donc, j'ai récupéré du bois, hein, du boulot, vous voyez. J'ai récupéré ça, mais j'ai récupéré que deux graines de boulot. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, je m'étais dit, on va faire un coffre. Alors, coffre en bois. Il faut des clous et des planches. Donc, il me faut 8 planches et des clous. Et des clous, ou des choses comme ça, j'en ai là. Donc, ça, c'est bien. On va mettre pour l'instant. Donc, j'ai pris les clous. On va reposer ça ici, là, si je peux. Ok. Comme ça. On va prendre des planches, il m'en faut 8. Voilà, et on devrait pouvoir faire un coffre. Donc, 8 planches, comme ceci. Ça, ça nous fait une bibliothèque, mais on n'a pas de livre. Et pièces de métal. Ça marche pas là? Je crois que ça marcherait moi. Attendez. Coffre. Coffre en bois. Bande et clous. Clous et bande. C'est pas ça? Pièce en métal. Il me semblait que. Si, voilà. Clous et bande. Et ça, c'est comment? Clou et bande, ça s'obtient en forgeant. Donc, ok. Bah, faudra que je forge. Ok. Donc, ça, ces pièces-là doivent servir à autre chose. Bon. Alors, ok. Il va falloir faire des. Un petit peu de forge. Elle est où ma forge? Est-ce que je l'ai ramenée déjà? Je l'ai mise où?
Mon four est là. Donc il faut que j'y mette du charbon. C'est pas là. J'en ai pas beaucoup de charbon, il va falloir que j'en fasse. Charbon de bois. D'ailleurs, c'est très bien. J'ai du bois là. Ok. Charbon de bois. On a du cuivre. Et on doit avoir des lingots même, c'est encore mieux. Alors, hop, on va remplir ça. Ok. On va prendre un lingot. J'aurais dû ranger au fur et à mesure. On va prendre un lingot. Quand il veut. Voilà. On va mettre ici. On va allumer le feu. Allez. Voilà, très bien. En attendant que ça chauffe, on va les planter, même si c'est la nuit encore. Hein, le matin se lève bientôt, il est 5 heures. On va planter des arbres. On va les mettre un peu éloignés quand même. Mettre par là, là. Très bien ici. Hop. Une pousse de bouleau. Et une autre ici. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On va essayer de ne pas se blesser, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne, ils sont où les outils là, la pince, si j'y arrive, et le marteau. La pince dans la main ici, le marteau, ça sera pour après, et puis ça, on va le mettre là, comme ça. Une fois que ça va être assez chaud. Ça a l'air. On va voir si on peut prendre. Ouais. On va mettre là. Et là, on doit avoir nos clous et bandes. Voilà. Par 4 ou par 8. Le truc, c'est que je sais pas si je peux en faire 8 avec un seul lingot. Alors, ok. Apparemment, oui. Bon, que je me rappelle là. X, on va pousser par là. Ouais. On va peut-être pas en avoir assez là, du coup. Est-ce qu'on peut encore le pousser? Non, il veut pas. Hein. Ah! Je vais peut-être pas avoir assez de matière. Peut-être être obligé de remettre un autre lingot. Et du coup, si c'est ça, ça serait peut-être bien que je le mette tout de suite au feu, le truc, non? Un lingot, un lingot, un lingot. Voilà, que je vais mettre là-dedans. Voilà, hop. Comme ça me permet moi de continuer ici. Non. Non, voilà. On continue. Clic gauche. Ouais. Ça c'est bon. Ensuite, on va pousser vers le haut.
ceux-là aussi. Comme cela. Ok, est-ce que ça on peut... Non. Alors, est-ce qu'il est bon? Il est bon. Hop, on prend notre lingot, on le pose là-dessus. Et on va sur la droite ou alors je tourne. Attends, clic droit, hop, comme ça. Ok, et donc je vérifie quand même qu'on est vers la gauche. Ensuite, vers le bas. Ok. On va faire vers la gauche. On va essayer ceux-là déjà. Voilà, on a aligné là. Parce que les autres, il va falloir les pousser. Que je peux me rapprocher un tout petit peu, voilà, pour mieux voir ce que je fais. Ok, là, ici il n'y en a pas. Ici c'est bon, oui. Il fait presque ce que je veux, hein. On est d'accord. Il y en a un autre là, ouais. Ok, maintenant il faut que j'enlève le surplus. Alors, pour enlever le surplus, c'est ça. C'est dommage. Il y a de la perte, hein. Donnez-moi ça. Et ben voilà, on a 8 clous et bandes. Du coup, on va prendre donc nos planches que j'ai reposées, forcément. Alors, nos planches, elles sont là. Du coup, hop, on va les mettre là. On va en faire quelques-uns, on va voir ce que ça donne, hein. Quatre, 32, c'est bien. Donc, les planches. Tiki 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 tiki. Ensuite, les bandes de... Voilà. Eh, c'est bien, ça se stack. Bon, on a des coffres en bois. Alors, on va en mettre un là. Et si on met coffre comme ça, là, ça nous fait des doubles coffres. On va en faire un. Pour le moment, on va le poser ici. Oh,
Oh, 2, 4, 6, 8 et un 9. Enfin, 4, 36. Ah oui, c'est plutôt intéressant comme pour le rangement. Du coup, je vais mettre tout le bois pour l'instant. Voilà, tac, 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 tac. On peut ranger les coffres dedans? Formidable, on va les mettre là. On en a deux, on pourra avoir un deuxième double coffre. Je vais prendre tout le bois qui traîne, je ne sais pas où ici. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas faire ça? Sais pas où il le met. Voilà. Et si je fais ça, ah, il le met là. Il faut le fermer. Ferme celui-là. Voilà. Et du coup. Voilà. Très bien. Alors, il y a quoi d'autre comme bois? Il n'y en a pas d'autre ailleurs, hein. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va peut-être pouvoir y mettre la pierre aussi, maintenant qu'on a mis le bois. Alors, la malle. On va la déplacer. On va la mettre là. La première malle, comme ça. Ne sera pas si mal si je fais ça. Ouais, parfait. Donc, dedans, on va y mettre. J'ai dit des pierres ou la terre. Je vais laisser ça là, c'est du bois. Ou alors je mets tous les trucs en bois. C'est-à-dire aussi bien ça que ça. Voilà. Et puis c'est déjà bien. Et puis on peut mettre, effectivement, on peut mettre des escaliers schiste, dalle, pavé de schiste. Ça, muret en pierre de schiste. Pierre de schiste. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit, je ferais peut-être des blocs avec la pierre de schiste là. Hop, je vais prendre sur moi et prendre de l'argile. Comme ça, non? Je sais plus. Il n'y a peut-être pas besoin de ça. Non plus, je sais plus comment on fait. Bon. À moins que ce soit l'inverse. C'est peut-être plutôt ça. Voilà, et ça au milieu. Yes. Et comme ça, on se refait des blocs. Voilà, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ah, bah, il y en a encore d'autres. Pierre de schiste. Voilà. Allez, 4 de plus. 62. Ok, donc on aura quelques blocs de plus pour agrandir la maison. Et ça, c'est plutôt bien. On va lui mettre ça. L'argile, on va le laisser ici. Là, on a des dalles comme ça. On a des blocs en granit. On a des escaliers en granit. Voilà. Et on va voir comme ça toute notre. C'est bien. Toute notre caillasse, notre bois. Et voilà, qui est plutôt bien. Voilà, je suis content. Je suis content. Par contre, je commence à avoir un petit peu faim. Du coup, 17 jours. Frais pendant 9 jours, on va les prendre. Et puis, frais périssables pendant 10 jours. Bah, déjà, c'est pas mal. On a de la viande. On va manger de la viande. J'arrête de manger là. Je regarde pas ce que je fais n'importe quoi. On va garder les ventes quand même sur nous. Ok, ici. Les clous et bandes, je vais les mettre là hein, pour l'instant. Et puis je vais reposer dans mon râtelier le marteau et bien sûr les pinces. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Puis là, on a nos moules, ça c'est génial. Ah, et en plus, on voit quelle moule je choisis. Voilà, après, j'ai pas forcément. Ouais, moule de pioche, moule de pelle, moule de hache, moule de lame de falx et moule de marteau. C'est pas mal, on va pouvoir vraiment se faire un atelier à un moment donné. Un vrai.
avec des portes-outils, des trucs comme ça, des mâles, des... Oh là 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 là. Incroyable, incredible, incredible. Alors, il est 11h, midi, oh, déjà. Dans le jardin, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient presque mûres. Donc, on va peut-être pouvoir... 4 sur 5, 4 sur 5. Ah là 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 là, je regarde un petit peu. 3 sur 5, 3 sur 5. 4 sur 9, faut tout vérifier. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses quelque part. 6 sur 7. 4, 5, 4, 5, 4, 5. 3 sur 9. 4 sur 9 pour l'épôtre. 1 sur 10. Bon, tout ça, il y en aura pour un petit moment. Mais ici, 3 sur 9, ça va pas si vite que ça. Hein. Alors, par contre, ça a besoin d'eau. Bah, c'est l'été aussi, hein, donc il fait un peu chaud. Ah, j'arrive plus à avancer. C'est marrant que là, à chaque fois, je m'accroche là. Ça, c'est bon. Ah, ça manquait d'humidité, ça c'est bon. Je crois que lui il avait pas. Voilà. Allez hop. Bon, le jardin est quand même pas si mal que ça. Ça va nous donner des réserves de fruits et légumes. Et ça, c'est plutôt cool. Faut que je pose ça quand même de temps en temps aussi. Alors, les arbres. Les arbres, on n'a pas trouvé notre bonheur. Encore des lapins. Allez, c'est plutôt sympa là, hein, pour la chasse aux lapins. On va le laisser là, celui-là. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je fasse du charbon de bois. Ici, on a commencé à faire nos... On a notre petit truc là pour faire nos petits moules, nos petites choses comme ça. On pourrait se creuser ici un trou pour le charbon de bois. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un truc de 3 sur 3 sur 3. On va pouvoir en remplir là. Ok. Hop. Tac, tac. Lui, je vais le casser. Ça veut bien, ok. Ah, donc là, on aura une cuve pour remplir de bois. Ça va peut-être faire un piège en plus. Hein. Est-ce que là, on a des bestiaux qui sont venus? Non. Pour l'instant, non. Bon, eh ben, je vais par où pour trouver des arbres, moi. On n'a pas trop exploré nord-nord, on va aller vers le nord. Et puis on va voir, si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous recontacte. Alors, à plus. Non, je suis pas allé très très loin. Et là, je trouve des graines de lin. Là, il y a du lin, mais 6 sur 9, on va le laisser. On en a 9 sur 9. Sur 9. Voilà, ça c'est bon. Donc, c'était bien d'avoir été un petit peu vers le nord et c'est pas très loin. 2 sur 9, on va les laisser. Voilà, on va prendre. Mais il y a d'autres choses, il me semble. Voilà, là il y a quoi? Il y a du seigle mûr. Bah, je ramasse, hein, c'est toujours ça de plus. 8 sur 9, on reviendra. C'est quoi ça? Agrostine. Agrostine ou Agrostide? Agrostide. Ok. Ah, la canneberge, ça tombe bien. J'avais plus rien à manger. Bon, il me reste deux tranches de machin. Deux morceaux de viande. Ok. Alors, je venais pour chercher du bois. Alors, je suis un peu reparti au sud. Là, c'est le nord que je veux voir.
Les ratons laveurs, là. Je sais pas quoi. Ou des opossums. Bon. Ça, c'est le nord. On a un arbre là. Je vais le tailler. Hein. Bon, je continue. Et puis, si je retrouve quelque chose, je vous le dis. J'ai trouvé des rochers d'ardoise au nord. Là, vous voyez, j'ai une zone qui est quand même très, très étendue. La maison, elle est là. C'est pas énormément loin, mais on voit ici, toute cette zone-là, c'est de l'ardoise. Je regarde au cas où je verrai peut-être des ruines, quelque chose, mais apparemment non. Bon. Et puis des arbres, bah, il n'y en a pas énormément, si, par là. Par contre, il est déjà 17h, et là, on voit, il y a du vent par ici. Ça va être un peu plus frais par là. J'arrive à redescendre sans me casser la margoulette. À expression des années 70. Hop. Ouais, y a pas mal de rochers d'ardoise. Donc ça peut-être pour faire nos toits de maison. Bon là, je suis en train de m'embêter. Il y a un peu de brouillard par là. C'est quoi? C'est du sable. Donc théoriquement avec ça je peux l'enlever. Voilà. Ça aussi c'est du gravier d'ardoise. Ça, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ok, bon, on va rentrer à la maison. Hein. Je crois que c'est mieux à faire. On va faire un nouveau panier. Et l'autre jour, il y a quelques temps de ça, dans je ne sais plus quel épisode, j'avais enlevé un panier comme ça pour mettre le sac en lin. Et je me disais, mais c'est bizarre, je le pose et... Et j'arrive pas à le, enfin, j'arrive pas à le poser vraiment. Et du coup, il y avait plein de choses dedans. Et j'ai tout perdu. Parce qu'au bout d'un moment, ça dépop. Il faut d'abord que je vide le contenu. Et ça, je pense que ça a trois espaces de stockage. C'est ces trois-là, je pense. Ce qui fait que je crois que c'est comme ça. Et là, si lui, je l'enlève, je vais pouvoir le poser. Je vais pouvoir le poser. Par exemple, voilà. Là, je peux le mettre là. Du coup, si je peux le mettre là, je peux aussi, si j'enlève des fruits, par exemple, je peux maintenant le mettre dans mon emplacement. Mais parce qu'il n'était pas vide, et du coup, j'ai pas pu le poser. Et là, je pense que je peux le poser maintenant. Voilà. Donc, c'était à savoir. On va le mettre. Donc, il est où? Ah bah, je l'ai remis là. Donc, lui... Théoriquement, je peux l'enlever. Alors, il faut que je fasse des trucs comme ça, des ficelles, tac. Ah ouais, ça m'en fait que 3, il m'en faut 4, je crois, pour faire ça. Si je fais H. Ouais, il m'en faut 4. Ouais, pas encore avoir assez. Je vais pas en avoir encore assez. Enfin, vous remettez les mots dans l'ordre, hein. Hop, on va mettre ça ici, ici. Donc, je suis obligé pour l'instant de garder. J'ai pas encore suffisamment de lin. Il m'en faut, pour faire ça, il m'en faut 4 déjà. Donc, ça veut dire qu'il m'en faut 2 encore. Il faut que je trouve encore de la fibre de lin. Et ben, c'est pas pour tout de suite. Et ben, voilà. Bon, bah ben, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi. Voilà. Allez, petit dodo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.